Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mes chers frères et sœurs en islam. Je vous salue. Soyez dans la paix et dans la miséricorde de Dieu. Bi'idhnillah. Ce matin encore, je m'en vais vous présenter un doigt très 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 important que si vous l'appliquez vraiment, vous allez voir que vos vœux seront exaucés. Puisque c'est un doigt de repentir. Si vous vous repentez, et après, vous demandez ce que vous avez dit. Soyez en sûr que, Inch'Allah, vos vœux seront exaucés. Parce qu'il est dit, il faut effacer vos péchés d'abord. Et puis demander à Dieu. Si vos péchés sont pardonnés, c'est que. Ça veut dire, on a dit, les enfants, quand ils demandent à Dieu, ça exauce à cause de quoi? Parce qu'ils n'ont pas de péché. Donc, si vous voulez demander d'abord, il faut se repentir. Repentez-vous devant Dieu et vous demandez. Vous allez voir que vos vœux seront exaucés. Alors, je m'en vais vous présenter quel doigt. C'est le doigt de notre prophète, de notre ancêtre, premier prophète, Adam, alayhi salam. Adam, alayhi salam, quand il a désobéi à Dieu, et Dieu a été en colère contre lui, voici le doigt qu'il a prononcé, que Dieu même lui a montré, et puis il a demandé, puis ça a exaucé. Et puis les savants disent que le doigt de notre ancêtre, là, c'est un doigt que nous ne devrons même pas laisser. C'est un doigt que nous devrons appliquer. Et nous allons voir que, Inch'Allah, ça va aller. Alors, c'est quel doigt? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Rabbana, zolamna anfusana, wa illam tafilana, wa tarhamna, lana kunana minal khasiri. Rabbana, zolamna anfusana, wa illam tafilana, wa tarhamna, l'anakuna la milal khasiri. Qu'est-ce qu'il a dit? Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Nous avons fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons sept du nombre des perdants. Vous allez voir. Vous voyez que c'est un doigt vraiment très très important. Et quand il a prononcé ça, Dieu a exaucé ses vœux. Il les a pardonnés. Vraiment, sans quoi, ce ne sera pas facile. Donc, je vous ai juste à appliquer ça, à demander ça. Je répète encore. Rabbana, zolamna, anfusana, wa illam, tarfilana, wa tarhamna, lanakunana, minal khasirin. Inch'Allah, si vous appliquez, vous allez voir que, il n'est là, vos vœux seront exaucés. Si c'est, je vous exhorte à abonner-vous à notre chaîne, à activer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Assalamu alaikum wa rahmatullah.